Amandine Pélissard attendait avec impatience la naissance de son 9e enfant, initialement prévu pour le 18 novembre. Cependant, le 6 août, la vie a pris un tournant inattendu. Maëna, surnommée la Vaillante par sa mère, a décidé de faire son entrée prématurément dans le monde après seulement 26 semaines de grossesse. Elle pesait alors à peine 810 grammes et mesurait 33 cm. Dès sa naissance, Maëna a été placée en néonatologie, où une équipe médicale dévouée s'est occupée d'elle. Ses parents ont immédiatement commencé à tisser des liens précieux avec leur petite fille, à travers de longues séances de peau à peau, à la fois bouleversantes et épuisantes. Une véritable force de la nature, Maëna a dû faire face à de nombreux défis de santé. Une jaunisse a été le premier obstacle, suivi de problèmes de santé plus complexes. Une infection est venue ajouter une complication de plus, mettant l'équipe médicale en alerte. L'une des étapes les plus délicates a été une échographie transfrontalaire, ETF, qui a soulevé des questions parmi l'équipe médicale concernant sa santé. Cependant, jour après jour, Maëna a continué à se battre, déjouant les pronostics et montrant sa détermination à vivre. Amandine Pélissard et sa famille ont vécu de véritables montagnes russes émotionnelles, partageant des moments d'angoisse, mais ressentant aussi une immense fierté devant la ténacité de leur petite guerrière. Chaque jour était une nouvelle victoire, chaque sourire de leur petite Maëna une source d'inspiration. Amandine Pélissard, tu vois ton bébé et tu te poses pas la question. Amandine Pélissard avait jusqu'ici partagé avec sérénité le récit de la naissance peu ordinaire de sa fille Maëna. Elle avait expliqué que sa petite fille avait besoin d'une mère forte pour s'en sortir. Elle avait évoqué son changement depuis la naissance de Maëna, affirmant qu'elle pouvait faire face à tout pour le bien de son bébé. Il y a un mois j'aurais dit comme vous, je tiendrai pas le coup, j'y arriverai pas, mais en fait si parce que tu vois ton bébé et tu te poses pas la question. Cependant, ces derniers jours, Amandine a été moins active sur les réseaux sociaux, ce qui a beaucoup inquiété ses abonnés. Ils craignaient notamment des nouvelles préoccupantes concernant la santé de Maëna. Une période difficile le 12 septembre, Amandine Pélissard a partagé une confession sur sa story Instagram. Elle a révélé qu'elle traversait actuellement une dépression post-partum. Et apparemment, pour Amandine Pélissard, c'est compliqué. Pour reprendre ses mots, si est-ce violent soudain et dur. Cependant, elle a ajouté qu'elle travaillait à s'en sortir avec le soutien de son mari, de sa famille et de son médecin. En tout cas, la mère de famille se veut confiante pour la suite. Ces déclarations ont ensuite été suivies d'une nouvelle photo de la petite Maëna, collée contre elle. En attendant, on ne peut que leur souhaiter du courage pour surmonter cette épreuve. Amandine Pélissard @Instagram.